皆さんはヨーロッパ文化遺産の日というのをご存知ですか？毎年9月の第3週の週末に開催されます。普段は入れない場所が開放され、入場料がある施設が無料になり、歴史的建造物が見学可能となります。始まりは1984年、フランスの文化大臣がラ・ジュルネ・ポルト・ウベールトを提唱したことから始まりました。1985年、フランスの文化大臣ジャック・ラングがヨーロッパ文化遺産の日を提唱。1987年のオランダから徐々に参加国が増えていきます。1991年には EU がサポートし、ヨーロッパ評議会の主導でこのイベントの開催が推し進められました。そして2010年には50カ国が参加しています。今年39回目のテーマはサステナブルな文化遺産です。私は毎年様々な歴史的建造物を訪問してきましたので、さて今年はどこに行こうかと考えていたところ、興味が湧く場所がありました。今日はヨーロッパ文化遺産の日です。1日目土曜日、初日の1日目は今7区のリュードセーブルに来ています。私ね、この辺に住んでたことがあって、ボーマルシェの裏のあたりに、どこだったかちょっと住所を忘れちゃったんですけど、ちょうど18区に引っ越す前に、もう一個先、ちょうどそのこれから向かう場所に近いかもしれません。そう、ジュロックじゃなくてバノーだったかな。ここら辺に住んでたことがあるんですけど、ポンマルシェの裏にね。だけど短い期間だったんで住所も忘れちゃいまして、まあすごく便利な場所ではあったんですけどね。はい、こちらです。今日の向かう先はこちらです。今お姉さんが立ってる看板の前に、あ、並んでますね。やっぱりそうなると思いました。ここが入り口で、まあ、ずらーっと並んでます。やはりね、このように並びます。ヨーロッパ文化遺産の日で、中に自由に入れます。ですが、このように並びます。ここの近くに住んでたんですけど、ここは全然気がつかなかった。まあずっと改修工事してたのかもしれないですけどね。まあこんな感じで今日は本社ビルを全部開放して中が見れるというので、あ、一部ですね、一部こうルートが決まっている部分が入れるというわけです。まあ仕事をしてる人もいますし、全部入れるわけではないんですけども、アートの催しもやってます。中で展覧会とかね。そういうわけでこの列に並びたいと思います。今並んでるところです。周りはねこんな感じで、向こうがボンマルシェ。こちらは結核など肺病理学に関する数多くの研究の場であったライネック病院で、病院として2000年まで機能していました。そして元の姿を生かした改修工事をし、本社社屋としたのはサンローラン、バレンシアガ、グッチなどの高級ブランドを持つケリンググループ。先に私の動画でご紹介した現代美術館ブルス・ド・コメルスを開いたフランソワ・ピノー氏が創設したグローバル・ラグジュアリーグループです。Vous avez des cours différents aujourd'hui, vous en avez accès aux trois différents et vous avez également accès à la chapelle et à l'exposition Balenciaga.Qui est dans une pièce où, bah, à l'époque, c'était là où le plus démuni s'était allongé, ceux qui ne pouvaient pas bouger de leur lit. Comme ça, on ouvrait les portes et ils pouvaient entendre la messe depuis leur lit. Et aujourd'hui, il y a une belle expo d'Europe aussi
présenter dans ce que on pourrait voir comme un lit. Donc ça nous remet peut-être un peu dans le dans la vie monastique, dans ce que c'était l'hôpital de bah, l'hospice des incurables à l'époque. Thank you.
Je suis en train de la restaurer. D'accord. Donc c'est un travail de beaucoup de couture. C'est ça, essentiellement de couture et de collage. J'ai fait un collage ici avec cet outil, donc cette spatule chauffante qui m'a permis de réactiver le film d'adhésif que j'avais appliqué sur. Ça vous prend combien de temps pour restaurer une robe comme ça ? Normalement, là, il me faudrait une semaine, je pense. D'accord. Et elles sont restaurées parce que c'est fait de rester très longtemps. C'est ça. Alors là, par exemple, vous avez différents types d'altérations. Le trou que je suis en train de refixer ici, lui, il est plus lié à de la tension. C'est-à-dire que quand elle était portée ou quand vous la mettez sur le mannequin, le poids du tissu et avec la gravité, du coup, ça tire et ça fait un trou. Et les cheveux, c'est aussi ? Alors, les cheveux, c'est un écheveau d'or dans un soie. Et du coup, c'est les fils que j'utilise juste ici. Là, ici, on vous l'a mis devant. Vous pouvez toucher si vous voulez. C'est pour voir la finesse des fils qu'on utilise. Ça tire du crin. Ça tient. En fait, la soie, c'est un des fils les plus solides. Solide. Ah oui, d'accord. Et voilà. Et donc, c'était pour vous montrer comment on les reçoit à la base, quand on les commande. Et après, on va faire des recharges de couleurs pour se rapprocher au proche de nous. Ah oui, vous allez les teindre un peu pour vous les approcher. C'est ça. Okay. Vous avez tout internalisé au niveau de la teinture, la recherche de couleur. Donc vous avez trouvé la bonne couleur. Oui. Vous colorisez le tissu vous-même dans c'est vos ça. Ateliers. Voilà, c'est ça. Enfin, dans chez moi. et voilà. Et c'est une étape qui prend pas mal de temps si on n'a pas de. Comment ça ? Comme on en fait beaucoup des teintures, on a des espèces de grands échantillonniers et on sait où aller chercher pour. Mais parfois, certaines fleurs, il faut chercher longtemps. C'est l'étape en fait la plus longue, entre guillemets, et la plus importante, parce que c'est une restauration ne peut pas débuter sans. Ouais, bravo pour le travail. Elle vient de France, celle-ci.
Enfin, le cheval, c'est plus du sud mais... de la France. Ce que vous faites, madame. Oui, je suis en train de faire un centre morphologique et je travaille sur la religion qui est juste là, sur le mus, et je fais un centre sur mesure pour que ça garde la forme antérieure de la religion conservée, suspendue aux archives. Et je commence par prendre les mesurements à plat de la robe.中庭に出てきました。1632年から徐々に建設され、最も貧しい人々のケアに捧げられた富士の病の病院は19世紀にライネック病院と改名されます。それは聴診器を発明した偉大な医師ルネ・ライネックにちなんで付けられています。敷地の半分以上は庭園となっていて、病院だった頃の中庭を可能な限り再現したそうです。水の音がする。ここに打ち込まれてるのかな、音が。水の音がします。それかこの周りに水が流れてるのかな。わあ、伸び伸びする。すごい、この礼拝堂。わあ、いい感じだね、ここ。
fondations, récents, en fait, qui ont été construits quand on a réaménagé le site. Il y avait des bâtiments médicaux. Ça a toujours été un hôpital public. Enfin, c'était créé vers 1650. À la Révolution. Et ensuite, à la Révolution, ça a été géré par l'État. C'est devenu un vrai hôpital. すごくいい香り。この景色も素晴らしい。完全逆光。本当に美しい景色で、なんか癒されますね。疲れが吹き飛ぶ感じ。来てよかったですね。おすすめですね。さすが現代美術のコレクターの会社だけあります。こういう川の音がね、するようになっててね、水の流れの音とか、教会の音とかが、こういうところに入ってて、こういうところとか、なんか音がね、装置があるんですね。すごくね、いい感じです。あ、リンゴだったんだ、これ。Thomas Ousseago. Merci.
無料でね、ここで写真を撮ってくれるっていうんで、みんな並んでます。ちょっと並んで撮ってもみてもらえますね。自分ではなかなか撮れないから、撮ってもらうの面白いと思います。Merci, à bientôt!